Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. C'était le moment le plus dynamique de la vidéo. Et il était profond celui-là. Vous n'y avez pas été de main morte avec les votes sur mon site web. Islanders, vous l'avez beaucoup apprécié et honnêtement, c'est toujours comme ça en fait. Je m'étais dit, moi le jeu est quand même très lent, je sais pas si les gens vont apprécier, mais bon, moi je m'y amuse comme un petit fou, donc pourquoi pas le présenter sur ma chaîne. Et des jeux calmes comme ça, ça fait du bien, c'est pas toujours obligé de péter de partout. Je veux dire, c'est assez cool. Et j'ai continué ma partie en live Twitch. Ça commençait à devenir un peu plus difficile, les îles sont plus grosses, et regardez ça! Ça, c'est là que j'étais rendu. Je vais continuer, on est quoi là? On est à 7170! C'est une belle run! Sauf que là... Holy shit! Alors là, guys... Ça commence à être de l'île... bien balèze! Je veux dire, on a plusieurs étages, très difficile de mettre les maisons ou tout ce qui est de plus important côte à côte. On a un peu de forêt sur le dessus, mais la gestion sur cette île est vraiment insane. Je veux dire, pour faire des points dans ce jeu, vous devez connecter les bâtiments. Si vous mettez des bâtiments par-ci, par-là, je veux dire, vous allez crever tout de suite. Donc j'ai une mine d'or ici, j'ai... Pff, holy mama! Donc, on fait plus? Ah, et c'est moi qui... Oh my god! C'est moi qui... Ok, j'ai 3 statues. Ok. C'est bien parce qu'on est un peu plus loin dans le jeu. On a compris ce qui arrive après un certain temps et tout. Je vais devoir les placer, mon ami. Ouh là là! Je veux dire, ça prend du temps avant d'avoir les plateformes en bois et tout, qui vont me permettre de pouvoir m'étendre en hauteur et justement joindre les bâtiments importants. Je crois que... Bon, première statue. Ici, là, je dois exploiter cette mine d'or, mais ce n'est pas tout de suite. Par contre, la plage peut être intéressant. On n'a pas vraiment grand-chose. Un peu d'arbres, mais sans plus. Aïe, aïe, aïe. Ok, voilà. Mes 3 statues sont placées. On croise les doigts que j'ai fait un bon jeu. Parce que j'aimerais bien continuer sur cette belle lancée. C'est un peu comme jouer à Minecraft Hardcore. Tu sais pas quand tu vas crever, mais tu veux un max de points. Ok, c'est très différent. Il y a beaucoup, beaucoup de forêts, alors je vais tout de suite y aller avec un paquet forestier. Oui, parce qu'une fois qu'ils sont installés, après tu peux abattre les arbres, c'est pas grave. Je veux dire, ils ont fait leur taf, c'est quand vous le posez pour la première fois que c'est le plus important. Donc là, regardez ça. On a déjà, en essayant de capturer le plus d'arbres, boum! On a déjà un plus 38, fantastique. Ici... Plus 25 maximum. Et là, naturellement, je peux pas le positionner à côté d'un autre. Alors, je crois que celui-ci, je vais le placer en bas. Oh, on a un plus 18 ici en bas. Allez, on remplit le trou. Et ensuite... C'est vrai, par contre. C'est vrai que c'est plus 7 points. C'est pour ça que je vous ai dit, faut placer les bûcherons en premier. Donc là, avec la statue en plus... Oh, c'est génial. Donc, plus que t'en as à proximité, mieux que c'est. Mais c'est quand même cocasse à poser. Parce que, je veux dire, ils peuvent pas être très près l'un des autres. Donc, c'est... Voilà. C'est ça, ce jeu. C'est ça. On va commencer par les villageois. Donc, on va se fabriquer une cité. Je crois que je vais commencer par remplir le plateau du haut. J'ai déjà un bûcheron qui prend tout ici. Donc, les prochains bûcherons, honnêtement, ça va pas être très fort. Ok. Donc, on commence avec un centre-ville. Et ensuite, on s'étend tel le coronavirus. À un moment donné,
je fais ce que je peux au niveau des blagues. J'aurais dû placer le centre-ville sur la statue, mais bon. Voilà. Le but, c'est de pas manquer aucun espace. Ça devient du Tetris rendu là. On peut y aller avec de la briqueterie. J'ai rushé sur le mot parce qu'on a quand même, beaucoup de plages en bas. Alors on va essayer d'en profiter. Donc, sablière. Oui! Plus 12 dans le coin ici! Je frôlais la statue, c'est incroyable. Ok. Ensuite, une briqueterie. J'ai des difficultés avec ce mot-là. Briqueterie. 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 Eh, hey, tu veux-tu une briqueterie, le gros? C'est un fromage, ça. Une briqueterie. C'est bon, ça, au souper, hein? Tartiner sur un toast. Les manoirs, c'est en fait la version commerciale. Donc, généralement, tu essaies de faire un secteur commercial et un secteur résidentiel. Parce que par la suite, tu vas en chier. Il y a certains buildings qui aiment être avec les secteurs commerciaux, mais pas avec les secteurs résidentiels et vice-versa. Donc, un excellent film d'ailleurs. Le secteur commercial, il est payant. Il est payant. Donc, je vais y aller ici. Tiens. Deux maisons qu'on va foutre en haut. Celle-là, elle est bien, bien grosse. Regarde. Oh, oh, oh! C'est vrai! C'est vrai! Oh! Elle rentre bien! Plus 15! Il y a tellement de mots que j'ai dit depuis le début de cette vidéo que vous pourriez détourner pour autre chose. Bande de coquins! Oh, 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 oh oui! Plus 12! Regardez ça! Directement à flanc de montagne! Incroyable! Donc, paquet agricole ou brasserie? On va prendre la brasserie pour... Ah non, merde! J'aurais pas dû... Attends, on a un autre... Parce que parfois, il y a certains trucs au niveau de la brasserie. Quand t'as plus de maisons, c'est plus efficace. Oh, le plus 38, il était solide. Oh, 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 oh! Attends, on a quelque chose... 38, un autre 38 ici. Et oh my fucking god! Oh, j'ai plus 40 et le centre-ville me donne moins 10. Oh, j'aurais eu un beau pointage si c'était pas du centre-ville. Damn! Mais j'en ai deux, donc fuck that. Moi, j'en mets un ici. Magnificent. Plus 38. Bam! Et l'autre, j'en ai rien à chier. Je m'en vais le foutre dans le village. Alors voilà, encore une fois, prêt de monter d'un niveau et j'en ai encore deux d'avance. Ça, c'était pas un druide, mais une Syrie, je me suis trompé. Et morale de l'histoire, les fontaines, les secteurs commerciaux en raffolent plus. C'est 3 points par commerce plutôt que 2 par maison. Donc, je continue d'apprendre, hein. Je suis pas un pro. C'est juste que jusqu'à maintenant, ça va plutôt bien dans la progression. Mais je continue encore de faire bien des erreurs. C'est surtout avec vos expérimentations. Parce que j'ai vu dans les commentaires de la précédente vidéo, j'ai fait acheter le jeu à bien des gens. N'hésitez surtout pas, dans l'espace commentaire, à m'indiquer en fait votre pointage. Là où vous en êtes présentement dans votre partie qui continue peut-être de progresser. Écrivez votre score. OK. On va placer ça ici. Je vais pouvoir agrandir le secteur commercial. Ça va être plutôt bien. Au niveau des maisons, ici, ça continue. C'est quand même pas si mal. Je crois que je vais mettre des parcs sur le bord de la falaise. Il n'y a rien de mieux, hein? Avec les enfants et tout qui viennent y jouer. C'est à eux de regarder, hein, là où ils jouent. Parce que sinon, une petite gaffe, un ballon perdu, tu vas trop vite à sa recherche et... Oups! T'es en bas de la falaise. Too bad. Heureusement que tu peux en faire d'autres. Ah, celle-là était scellée. Ah! Oh! Regardez ça! Juste ici, je veux dire, y a rien que j'aurais pu mettre ici. Juste un pixel à droite! J'étais à moins 5! Un pixel au fond! Ok, je suis encore dedans. Mais sinon, regarde ça! Boum! Zéro! Et là, on bouge lentement. Bam! Ok, le cirque... les habitants aiment ça, alors que, voyez-vous, c'est pour ça que je vous disais, si vous mêlez le secteur commercial avec le résidentiel, c'est ça qui arrive. C'est que là, tu vas vouloir mettre un cirque, et là, t'as genre 4-5 trucs commerciaux mélangés avec des maisons, donc ça te fait un fouillis de points. Mais par contre, les séparer, parfois, dans les débuts ou dans certaines conditions, ça peut aussi causer votre mort.
Donc, c'est juste très tactique. Alors, je vais vous faire une petite explication en deux respirations et après time-lapse et on progresse pour voir jusqu'où je peux aller. Ah, allez, c'est parti! Va sur lesterroches.com, tu peux visiter mon site web ou aller directement sur ton vote. Tu peux venir ici à toutes les 24 heures faire un vote de ton choix qui peut faire toute la différence sur ce que tu aimerais voir sur ma chaîne en priorité. Si tu veux me soutenir, mais aussi flatter l'algorithme de YouTube, tu peux t'abonner, ne plus rien manquer sans oublier la putain de cloche, mettre un like ou un dislike, adhérer à la chaîne pour m'aider avec la démonétisation et voir ton nom apparaître en intro de mes vidéos. Sinon, il y a des jolis liens et plus d'infos en description. Merci. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Guys, ça fait 2 heures que j'enregistre. Wouh! Ce jeu est addictif! Et c'est la fin! Donc il me reste un seul bloc, on ne va pas monter de niveau. Ce salopard dans le dernier niveau me donnait uniquement des plateformes avec quoi je peux rien faire. Mais probablement que j'aurais pu encore monter si j'avais optimisé là, certains placements et tout, comme par exemple le moulin, j'ai quand même beaucoup perdu. Ça ici, ça a été quand même plutôt bien. Mais c'est au niveau du cirque, j'ai placé le cirque, je me rappelle plus où, mais à la base, je voulais le mettre ici et ensuite poser la montgolfière, et ça m'aurait donné quand même encore beaucoup de points. Donc je suis parti sur autre chose, mais voilà, c'est notre magnifique cité qu'on va avoir réussi à construire en 2 heures. C'est fantastique. Voilà, 23 pour terminer. Donc, on va prendre une photo de tout ça pour la miniature de la vidéo, et ensuite, on s'en va voir l'autre île. Et ben voilà, la photo est prise. Pendant qu'on... Ah! Il y a des charrues qui sont en train de déneiger les routes. Il y a une grosse tempête présentement au Québec. On attend 40 cm à certains endroits. Et il y a même pas 3 semaines, il est tombé un bon 25 à 30 cm. Beaucoup de neige. Beaucoup de neige en dedans de 1 mois. C'est vraiment incroyable. Mais par contre, l'hiver reste quand même douce. C'est plutôt surprenant. C'est un hiver agréable, je trouve. Bon, allez. Découvrons le prochain île. Allons-y! Là, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas. Oh. Ooh, ooh, it's bad. Oh, c'est bad. Ça devient vraiment de plus en plus difficile. Oh my god! Il y a juste de la plage! Tu peux pas faire grand-chose avec des plages. En plus, avec des roches. Oh! Oh, là, c'est dur. Aucun, il y a pratiquement rien pour se déployer. Ouh, ok. Le niveau de difficulté grimpe. Wouh! Alors, la prochaine fois, ça va être un bon défi. Alors, j'étais hâte de vous lire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de me poster votre meilleur score. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye-bye!